Merci de nous recevoir chez vous pour cette nouvelle édition d'information. Dans un instant, les titres. Grande mobilisation ce matin au palais du 29 juillet. L'événement, c'est le 24e anniversaire du PNDS Tareya. La célébration placée sous la présidence de Bazoum Mohamed, président du parti Rose. Ouverture ce matin des assises de la 2e assemblée générale annuelle ordinaire du SNEN, une instance de ce syndicat qui durera 48 heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information, une édition d'information que nous débutons par l'actualité politique. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, souffle ses 24 bougies ce samedi 27 décembre 2014 et c'est le Palais des Sports qui a servi de cadre à cette célébration. Une manifestation de réjouissance qui a enregistré une forte mobilisation des militantes et militants autour du président du parti Rose, M. Bazoum Mohamed. Le compte-rendu avec nos reporters Adam Soumana et Halid Bréman. 24 ans, c'est un âge mûr dont l'avènement mérite d'être célébré. D'où cette gigantesque mobilisation des militantes et militants du parti Rose pour marquer cet instant solennel. Une célébration riche en couleurs et ponctuée d'ambiance bon enfant. Occasion pour les différentes structures du PNDS Tareya de louer les actions menées par leur parti à la tête de l'État et de réitérer leur engagement à toujours répondre promptement au mot d'ordre du parti. Le 24e anniversaire de notre parti intervient dans un contexte sociopolitique stable, contrairement à ce que veut faire croire une opposition en perte de vitesse. Cette stabilité, nous la devons, faut-il le rappeler, à la clairvoyance de son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État. En tant que femme, dire que c'est l'âge de la coquetterie. En effet, avec l'expansion de notre parti, nous avons enregistré beaucoup d'adhésions. Cette croissance, il nous faut bien la gérer. Et nous, les femmes, nous allons aider notre parti à développer l'art de se faire aduler, de continuer à attirer d'autres, à les maintenir pour grandir ensemble, pour des victoires encore plus éclatantes, Inch'Allah. Pour sa part, le président du comité exécutif national du Parti Rose s'est longuement appesanti sur les fausses accusations dont fait l'objet le président de la République, premier président du parti, dont il n'a pas manqué de louer sa qualité d'homme d'État. Notre parti célèbre ses 24 ans. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à tous qui, durant ces 24 années, ont donné le meilleur d'eux pour faire de ce parti ce qu'il est aujourd'hui. J'ai une pensée émue à cet égard pour ceux qui auraient dû être parmi nous, qui aurait certainement été parmi nous, mais que la mort nous a arrachés. Nous ne devons jamais oublier combien ils peuvent tenir à ce que nous restions conformes aux grandes exigences morales et éthiques qui sont au fondement de cette aventure à laquelle nous avons donné ce nom Tareya, c'est-à-dire l'Union. Si notre parti a pu être si grand et incarner tant d'espérance, c'est parce que justement, nous avons toujours été solidaires et unis. Il en a été ainsi parce que notre leader, le président Issoufou Mamadou, nous a appris à aimer notre pays et à aimer notre parti. Cette culture de l'unité à propos de notre parti, mais surtout de notre pays, nous devons de la perpétuer. Elle a été la clé de nos réussites passée, elle le sera également pour nos victoires à venir. Je voudrais aussi me féliciter de l'excellente tenue de notre 6e congrès qui avait eu lieu dans cette même salle il y a de cela une année, presque jour pour jour.
Notons que les partis amis et alliés ont également rehaussé de leur présence la cérémonie. Ces derniers ont d'ailleurs manifesté leur soutien sans faille au PNDS et à celui qui a hissé au plus haut sommet sur l'échiquier politique national le Parti Rose en la personne du président de la République, Mamadou Issoufou. Joyeux anniversaire au PNDS Taria. Assemblée générale ce matin de la convention régionale de Tillabéri du parti CPR Nganti. À l'ordre du jour, présentation du bureau régional et déclaration sur la vie du parti et la situation politique de notre pays. Poursuivant l'implantation de ces structures à l'intérieur du pays, le bureau politique provisoire du parti CPR Nganti était ce 27 décembre dans la commune de Tillabéri. En plus de l'élection des membres du bureau de la convention régionale de CPR Nganti de Tillabéri, les participants ont adopté une déclaration et quatre résolutions. La convention régionale CPR Nganti de Tillabéri apporte son soutien moral au président Kassou Mokhtar dans cette épreuve dont il sortira, Inch'Allah, grandi et réitère sa confiance en l'indépendance et l'impartialité de la justice nigérienne. La convention régionale CPR Nganti de Tillabéri apporte son soutien moral au président Kassou Mokhtar dans cette épreuve dont il sortira, Inch'Allah, grandi et réitère sa confiance en l'indépendance et l'impartialité de la justice nigérienne. Résolution numéro 2. La convention régionale CPR Nganti de Tillabéri soutient la candidature du président Kassou Mokhtar au poste de président national du parti au prochain congrès ordinaire qui aura lieu à Zender en février, Inch'Allah. La convention régionale de Tillabéri réaffirme son soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaj Issoufou Mahamadou, dans toutes ses épreuves de construction, et lui demande, en tant que père de la nation, de fédérer encore les énergies en tendant une fois de plus la main à toutes les forces vives de la nation en vue d'un véritable sursaut national afin de consolider le consensus national et garantir un Niger à la génération future. La convention régionale de Tillabéri encourage nos forces de défense et de sécurité pour la bravoure et l'efficacité avec lesquelles elles consentent des efforts inlassables, allant souvent jusqu'au sacrifice ultime dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale ainsi que de la sécurité des personnes et des biens. Salue enfin l'engagement ferme et multiforme du président de la République, son Excellence Mamadou Issoufou, sur la question sécuritaire dans notre espace sahélo-saharien, gage de tout développement. Quant à la vice-présidente du bureau politique provisoire du CPR Nganti, elle a tiré les enseignements suivants à l'issue de cette assemblée générale de la convention régionale CPR Nganti de Tillabéri. Nous sommes à Tillabéri pour la mise en place des structures du parti CPR Nganti. Nous sommes très satisfaits de l'accueil et de la mobilisation de la population de Tillabéri pour le parti CPR Nganti. Certes, c'est vrai, nous sommes un jeune parti, mais nous restons très confiants au vu des adhésions que nous enregistrons tous les jours. Je suis sûre et certaine que ce parti sera un parti d'avenir. Et je lance un appel à toute la population en général du Niger, et en particulier la jeunesse nigérienne qui est restée longtemps dans l'ombre, à adhérer aux idéaux de notre parti pour le choix de la rupture d'une nation très forte. Merci. Après Tillabéri, les membres du bureau politique provisoire du parti Congrès pour la République CPR Nganti vont reprendre leur bâton de pèlerin pour la mise en place des structures régionales.
le CPR Nganti de Kassamota, c'est le choix de la rupture pour une nation forte. Autre aspect de ce journal, la Direction générale des douanes et les services opérationnels ont signé hier le contrat de performance objectif mobiliser davantage les ressources internes. Précision avec notre reporter Nasser Dantouf. C'est après une journée d'intenses travaux qu'a pris fin la cérémonie de signature des contrats de performance 2015 entre le directeur général de la douane et les responsables des services opérationnels. Cet engagement pris par ces responsables des différentes unités de la douane s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la mobilisation des ressources internes. Il s'agit d'une première au niveau de l'administration des douanes. Première pourquoi ? Parce qu'on ne l'a jamais fait. C'est la cérémonie de signature des contrats de performance. Il y a eu un contrat qui a été signé entre le ministre des Finances et le directeur général des douanes. Et évidemment, le directeur général, il a un certain nombre de services sous son autorité. Il va de soi qu'il partage cette préoccupation-là avec ses services-là du terrain. Parce que le directeur général, il est au sommet d'une administration centrale. Il y a des services opérationnels. C'est eux qui font le travail de mobilisation des recettes. Donc, autant qu'il est engagé vis-à-vis de son supérieur hiérarchique qui est le ministre des Finances, autant aussi les autres services qui sont sous sa responsabilité ou sous son autorité soient également engagés vis-à-vis de lui. Alors c'est ce qui s'est passé ce soir. Le contrat donc qu'il a signé avec le ministre des Finances, il l'a décliné en différents types de contrats au nombre de 7, dont notamment un contrat signé entre le directeur général des douanes et les directeurs nationaux, un contrat entre le directeur général des douanes et les directeurs régionaux des douanes, un autre contrat signé entre lui et les chefs du bureau des douanes, un autre contrat signé entre lui et les chefs de brigade d'intervention et de recherche, un autre avec les receveurs des douanes. Si vous comptez bien, vous verrez que effectivement ça fait 7. Au total. Pour rappel, cette signature fait suite à une autre entre le ministre des Finances et le directeur général de la douane sur la performance. C'était le 8 novembre 2014. Ce matin, des assises de la 2e Assemblée générale annuelle ordinaire du syndicat national des enseignants du Niger, le SNEN. Plusieurs sujets seront débattus au cours de cette rencontre qui durera 48 heures. Le reportage avec Souleymane Berma. Ils sont 71 délégués sur les 73 que compte le syndicat national des enseignants du Niger à prendre part à cette 2e assemblée générale annuelle ordinaire du mandat syndical 2012-2015. Il s'agira pour les participants de se pencher sur plusieurs questions, entre autres le bilan des activités des différents organes. Cette assemblée générale annuelle, qui se tient 3 mois après l'entrée scolaire, nous donne l'occasion de porter un regard critique sur les préparatifs et le démarrage des cours en rapport avec la résolution des préoccupations des enseignantes et des enseignants, gage d'un bon déroulement de l'année scolaire. Ces préoccupations, faut-il le rappeler, ont pour nom régime indemnitaire propre au personnel de l'éducation, règlement définitif des incidences financières liées aux différentes tâches administratives et des rappels salaires, la finalisation du recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels au titre de l'année 2014, les paiements en même temps que les salaires des pécules des enseignants contractuels, etc. La satisfaction de ces préoccupations essentielles permet de redonner à l'enseignant toute la valeur qu'il mérite afin de s'acquitter de sa noble mission d'éducation et de transformation des Nigériens. Le représentant de la ministre des Enseignements secondaires a mis à profit la cérémonie d'ouverture de cette rencontre pour annoncer une bonne nouvelle aux participants et au-delà l'ensemble des militants du SNEN, signe du bon partenariat qui existe entre les deux parties. Le rôle d'un syndicat, au-delà de la défense des intérêts matériels et de ses membres, doit se consacrer de façon indispensable à repenser la fonction
et la profession qui lui permettent de renouveler son stock de la base militante. Et c'est pourquoi je vous invite davantage à repenser la pénurie d'enseignants qui se dessine déjà à l'horizon, et ce, dans plusieurs pays. Comment intéresser les jeunes à embrasser le métier d'enseignant? Et comment faire en sorte, comment faire encore prendre davantage conscience à ceux qui embrassent cette carrière, à le faire partout où le besoin les appelle? Et pour terminer mon intervention, je sais que votre structure attend beaucoup du statut particulier des enseignants. Ce statut qui a été élaboré par un comité mis en place et que la cérémonie officielle de remise au ministre en charge de l'éducation et de la formation est prévue incessamment. La CDTN, qui est la centrale d'affiliation, s'engage à accompagner le SNEN pour la concrétisation de toutes les recommandations qui seront issues de cette deuxième assemblée générale annuelle. L'engagement des militants du SNEN importe beaucoup pour la CDTN pour une victoire aux élections professionnelles qui s'annoncent. Il est donc indispensable que chaque enseignante et chaque enseignant se sente en campagne pour garantir la victoire de la CDTN. Pendant ce temps, le complexe scolaire privé L'Élite de la Francophonie a organisé ce matin une cérémonie de remise des carnets d'évaluation au titre du premier trimestre aux élèves du niveau primaire de cet établissement. Une cérémonie marquée également par une réunion des parents d'élèves de cette école, tout niveau confondu, et le personnel administratif du CSP L'Élite. Et c'était en présence de nos reporters Michel Légy et Ibrahim Abdou. Mes félicitations, monsieur, pour votre enfant. Je vous souhaite une très bonne chance. C'est une rencontre pédagogique qui vise à informer les parents d'élèves ayant placé leur confiance à l'école L'Élite sur les dispositions qui sont en train d'être prises dans le cadre du renforcement des performances de cette école. Comme je ne suis pas toujours modeste, je dis bien que nous sommes mieux que beaucoup, bien qu'ayant commencé juste cette année. Nous avons voulu vous rencontrer également pour pouvoir échanger avec vous. Je sais qu'il y a un premier problème qu'il faut soulever tout de suite. C'est le problème de la rigueur. Ça, là, vraiment, je suis inflexible. Mahmoud Djibo est une tête brûlée. J'ai été professeur du lycée Issa Corombé en 86-87. Le plus jeune professeur de l'histoire du Corombé. J'ai marqué le Corombé justement par ma rigueur. J'ai été directeur général de l'ENAM. Tout le monde sait ce qui s'est passé à l'ENAM en 2006 et 2008. Et ce n'est pas dans l'école dans laquelle je me suis investi. J'ai engagé des gens qui s'investissent. Ce n'est pas là que je veux franchir. Il y en a qui viennent, qui s'arrêtent devant cette école-là. Et je suis au regret de vous dire. Mais là, c'est même les agents de l'école qui ont surpris des élèves à 8h moins 10. En train de boire de l'alcool. Alors, est-ce qu'on doit laisser ces gens continuer? C'est pourquoi nous avons dit dans notre règlement intérieur qu'à 8h05, nous fermons nos portails. Si c'est un enseignant qui vient à 8h05, il est en retard. Je considère qu'il n'est pas venu à l'école. La sanction qui doit tomber, va tomber. Si c'est un élève qui vient à 8h05, nous considérons qu'il n'est pas venu à l'école. Et malheureusement, il y a beaucoup qui préfèrent qu'on ferme la porte pour qu'il n'entre pas. Et surtout, nous les pères des filles, parce que moi j'en ai 5. Il y en a qui viennent à l'école en réalité, juste pour tromper le parent qui l'a déposé. Une voiture attend, dès que le parent tourne le dos, elles embarquent et s'en vont. C'est pourquoi nous souhaitons, quand vous les amenez, assurez-vous que les enfants sont bien entrés dans la cour avant de repartir. 85%, c'est le taux des élèves ayant obtenu la moyenne au niveau primaire de ce complexe scolaire. Des résultats certes satisfaisants, mais qui doivent être améliorés pour davantage crédibiliser cette école, convienne corps professoral et parents d'élèves. L'initiative est salutaire, en sens que bon, ça permet quand même d'établir un certain contact entre les parents d'élèves et puis bon, le corps enseignant. Ça permet aux parents de voir réellement à qui on a affaire.
Moi, je pense que c'est très important et j'encourage quand même la plupart de tous les autres établissements à emboîter le pas à cet établissement qui va permettre quand même d'échanger sur la vie et donc l'avenir de nos enfants qu'on leur a confiés. Le fait que vraiment j'ai choisi cette école, c'est parce que je savais que c'était une bonne école et j'ai pris mon enfant d'une autre école pour la ramener ici et voilà vraiment le travail. Je suis vraiment fière. Créé il y a quelques mois, le complexe scolaire privé L'Élite du village de la Francophonie compte actuellement un effectif total de 827 élèves repartis du préscolaire à la terminale. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mougène, a rendu public ce matin une déclaration donc axée sur la situation politique, l'organisation du Hajj 2014, la révocation des éléments de la police municipale ou encore le recrutement des médecins. Le résumé avec Nasser Antouf. Cette sortie médiatique du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mougène, est relative à la situation sociopolitique que traverse le pays, notamment sur les irrégularités observées lors du Hajj 2014, le spectacle désolant auquel se livre l'Assemblée nationale ou encore la situation des éléments de la police municipale révoqués pour faire de grève. Les Mougène exigent un audit express du COHO et l'expédition immédiate des bagages de plus de 600 pèlerins bloqués en Arabie Saoudite. Aux dernières nouvelles, préoccupés par le détournement des fonds de l'institution, la direction du COHO projette en fin décembre d'organiser un atelier dit de validation pour masquer ces malversations financières. En outre, si l'Assemblée nationale continue à se donner un spectacle ternissant l'image du Niger, le président de la République se doit de la dissoudre sans tergiversation. S'agissant des douloureuses épreuves vécues par la police municipale, l'Hémogène exprime sa solidarité de sa juste lutte et exige leur intégration, réintégration sans condition. L'Hémogène a également fustigé les conditions de recrutement des médecins à la fonction publique. L'Hémogène tient à dénoncer la magouille et la mascarade organisée lors du recrutement des médecins dont les critères de choix n'ont pas été respectés pour faire tout naturellement place aux parents, amis et connaissances. L'Hémogène soutient l'annulation de ces recrutements exigés par le syndicat de médecins nigériens afin d'éviter à nos formations sanitaires des hommes incompétents à la tâche. Le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger a salué la tenue de la fête de la République qui a permis à Dosso d'obtenir un impressionnant dispositif infrastructurel tout en appelant la population dossolaise de veiller à sa pérennisation. L'actualité hors de chez nous au Mali avec cette affaire de famille la semaine dernière. Disparition de Intala Agili, un des grands chefs Touareg du Nord Mali. Aujourd'hui, c'est son fils aîné qui le succède suivant son portrait. À peine nommé et déjà contesté dans son propre camp, Mohamed Agintala, que l'on voit ici entouré de soldats maliens, devient le nouveau chef traditionnel de l'Adrar des Iforas. Il succède ainsi à son père, Intala Gataer, l'âme locale, décédé à 87 ans jeudi dernier. Celui qu'on surnommait le patriarche de Kidal, qui avait su défendre la cause Touareg sans couper le lien avec les autorités de Bamako. Si le fils, donc Mohamed Agintala, la soixantaine passée, a participé à de nombreuses réunions pour la paix dans la région, notamment au Niger, il n'a jamais eu la confiance totale des proches du mouvement national de libération de l'Azawad. Il reproche à Mohamed Agintala notamment d'être député sous l'étiquette du parti du président Ibeka, en gros d'avoir trahi la cause Touareg, ou le fameux projet d'une plus grande autonomie de la région de Kidal, défendu actuellement entre autres par le MNLA aux négociations d'Alger. Mohamed, il était député de l'Assemblée de Mali, donc actuellement on ne sait pas leur vision dans ça jusqu'à présent. Donc on va réunir toute la famille. On va discuter avec lui s'il a accepté, par exemple, les chemins de la Zouar. On peut les prendre. Mais s'il reste à côté du Mali, on ne peut pas les prendre. Pourtant, c'est bien le vieux patriarche respecté de tous,
autant du côté des indépendantistes que des défenseurs de l'unité malienne, qui a voulu que ce soit ce fils-là, Mohamed Aguintala, qui lui succède. Le choix du sage de Kidal, comme on le surnommait, s'est donc porté sur le plus conciliant des siens avec l'entourage du président Ibeka. Une figure touareg neutre, en rupture avec les islamistes dans Sardine, comme avec les indépendantistes du MEDELA, un vœu pieux à l'heure de trouver une paix définitive dans la région du Nord-Mali. Et puis la cyberattaque contre les PlayStation a été revendiquée par les pirates. D'autres précisions sur cette affaire dans ce sujet. Romain est ce qu'on appelle un gamer, comprenez par là un adepte des jeux vidéo. Il joue quotidiennement à la PlayStation et sous le sapin c'est forcément un jeu qu'il a trouvé. Mais très vite il détecte un problème. J'ai voulu me connecter à la PlayStation et en démarrant mon jeu, ça a pris un temps assez long pour se connecter, pour démarrer le jeu. Et j'ai réussi plusieurs fois en éteignant l'application, recommençant le jeu. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas là le problème. Aujourd'hui, le problème semble résolu. Mais que s'est-il passé? En réalité, les réseaux en ligne de Microsoft et de Sony ont été piratés. Résultat, des millions de joueurs à travers le monde n'ont plus pu jouer en réseau. Un groupe de hackers a revendiqué cette attaque. Une attaque par déni de service. Explication. Les pirates ont à leur disposition des machines qui ont préalablement été infectées par eux avec un logiciel malveillant. Ils ont reçu de ces machines des informations. Les machines disent « nous sommes à telle adresse ». Ces informations sont remontées à eux. Ensuite, ils ont envoyé au moment de l'attaque, via le serveur qu'ils contrôlent, une commande qui était répercutée vers les différentes machines infectées, lesquelles ont, chacune de leur côté, lancé une requête vers le serveur qui est visé par l'attaque, lequel, à un moment donné, ne peut plus donner suite et crash. L'attaque avait pourtant été annoncée sur les réseaux sociaux quelques jours auparavant, mais impossible pourtant de l'en empêcher. Le problème de l'attaque par déni de service, si vous voulez, c'est qu'elle peut venir de n'importe où. Et donc, les pirates vont travailler à partir de machines qu'ils ont préalablement infectées. Les machines étant infectées, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas connaître l'adresse IP, on ne peut pas connaître l'information par rapport à la machine qui va envoyer l'attaque. Si on connaissait ces informations, on pourrait évidemment préserver le système et empêcher que tel groupe d'adresse puisse accéder au système. Là, en l'occurrence, on ne peut pas le prévoir. Pour empêcher l'attaque, il aurait donc fallu paralyser le système entier. Les différents groupes de pirates informatiques rivalisent entre eux. C'est pourquoi ils annoncent leurs attaques. Ils veulent montrer de quoi ils sont capables. Quoi qu'il en soit, cette affaire montre une fois encore la fragilité des réseaux en ligne des deux géants, Microsoft et Sony. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.